Warning Trading, alerte arnaque. Bonjour Marc. Bonjour Nicolas. Alors Marc, aujourd'hui, quelle est l'arnaque du jour ? Alors aujourd'hui, une recette de cocktail explosif. Une start-up innovante, un algorithme de trading, un courtier régulé. Tu mélanges le tout, qu'est-ce que ça nous donne ? Un courtier régulé, ça ressemble à quelque chose de légal, mais enfin j'imagine qu'il suffit de gratter pour découvrir l'envers du décor. Exactement. On va commencer par un démarchage racoleur par mail avec des liens vers un site qui s'appelle Startup F5, où on va trouver de nombreuses explications et notamment une vidéo de présentation de Preditrend. Alors Preditrend, c'est un algorithme qui est censé donner des résultats largement gagnants sur des options binaires. Alors le problème, c'est que ce site fait appel à des acteurs et que la startup en question n'existe pas, tout comme le prétendu algorithme. C'est affiché d'ailleurs clairement sur le site et de plus, les mentions légales ne sont pas indiquées au prétexte d'être confidentielles. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que Preditrend est très performant en marketing et en référencement sur Internet. Ils ont une collection de vidéos et de sites liés pour occuper l'espace et noyer toute information ne provenant pas de chez eux. Alors, Marc, comment ça marche ? Alors, il faut s'inscrire. Et après, une démonstration gagnante, qui est forcément gagnante. Il faudra ouvrir un compte de trading chez un vrai courtier régulé. Et la boucle est bouclée, je présume, cela s'appelle du rabattage. Nous partons d'un démarchage dans des conditions totalement anormales et nous avons une série de filtres destinés à nettoyer cette anormalité en diluant les responsabilités pour arriver à un courtier régulé qui pourra justifier de l'ouverture d'un compte sans qu'on puisse lui reprocher quoi que ce soit. Preditrend est avant tout un appât, le coût de l'algorithme est un classique. Habituellement, les courtiers qui ont recours à ce stratagème mettent entre les mains de leurs clients un algorithme, mais qui ne donne pas de très bons résultats en fait. Le courtier va alors vous expliquer que les meilleures informations sont réservées à une élite et que pour faire partie de cette élite, il faudra investir beaucoup plus d'argent pour accéder à ces conseils sur mesure. Conseils qui, au bout de plusieurs semaines, vont se traduire par la perte partielle ou totale de votre capital. Pour éviter de tomber dans ce type de piège provenant de courtiers sans scrupules, il faut toujours se référer aux trois conseils de bon sens. D'abord, refuser toute sollicitation par mail ou par téléphone. Deuxièmement, vérifier l'identité et les coordonnées de la personne qui vous contacte. Et troisième et dernier conseil, dans le doute, ne jamais verser d'argent. Marc, merci pour tous ces conseils et merci à vous tous de nous avoir suivis. Pour nous aider à lutter contre cet exemple de cybercriminalité, je vous invite à diffuser et à partager massivement cette vidéo. Merci et à très bientôt sur Warning Trading. Warning Trading, alerte arnaque.